Bonjour à tous. Petite vidéo d'informatique aujourd'hui. On a quasiment fini le programme en informatique maintenant qu'on a vu les vecteurs. Alors on va remanipuler tout ça, vous en faites pas, mais en gros on n'a pas de grosses nouveautés à voir. On va devoir revenir un petit peu sur la fonction gérande pour toutes les lois de référence une fois qu'on aura créé les lois continues et parler de lois géométriques de Poisson, hein, ce qu'on fait cette semaine en maths. Donc faut attendre un peu qu'on ait fait tout ça en maths pour que ça ait un peu de sens et que ce soit utile. On doit faire pas mal de choses du point de vue graphique. Je vous apprenne à faire des graphiques en Scilab, donc afficher des histogrammes pour les lois de proba, afficher des graphes de fonctions. Pas des choses très utiles et qui sont pas demandées à part peut-être de lire dans des sujets. Mais ça c'est les deux gros points qu'on n'a pas vus. Et le dernier point qu'on n'a pas encore vu en informatique, c'est on doit revenir sur deux algorithmes. Alors je profite du fait qu'on est un peu en mode dégradé puisqu'on est en confinement pour parler de ces deux algorithmes, vu que c'est des choses que vous êtes censé avoir vues en terminale. C'est la méthode des rectangles. De toute façon, on est déjà revenu en maths via les sommes de Riemann sur cet algorithme-là, donc l'algorithme dont on va parler cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler tout simplement de l'algorithme de dichotomie, qui sont deux algorithmes dont normalement vous avez déjà entendu parler. Donc la méthode des rectangles, c'est une méthode d'approximation d'intégrale, comme vous pouvez voir sur le graphe qui est là. Elle est basée sur le principe de calcul des sommes de Riemann. Les sommes de Riemann que l'on peut calculer, alors si je mets la formule générale, voilà la forme générale que prend la convergence d'une intégrale de Riemann. Des sommes de Riemann vers une intégrale. Donc c'est ça qu'on va vouloir programmer. Hein. Nous, on ne va pas vouloir faire autre chose tout simplement que programmer la somme qui est là, ce qu'on sait faire hein, en Scilab. On sait programmer des sommes, ce sont des suites souvent non autonomes, mais on sait le faire. Maintenant, on a même la notion de vecteur qui va nous permettre de faire des calculs plus globaux quand les fonctions sont assez simples. Donc c'est ça qu'on va vouloir faire. Alors, vous savez que mathématiquement, je vous ai toujours dit qu'il y avait un cas simple de ça, qui était juste de considérer les intégrales sur 0,1. Donc, j'ai choisi dans le poly d'informatique de commencer par ça. Ça nous permet de programmer des choses un petit peu plus simples. Et ensuite, d'appliquer ça à des choses plus compliquées. Alors, voilà. On va tout placer ça en un point. Voilà ce qu'on va vouloir programmer. Alors, comment on programme ça? La version de base que je veux que vous sachiez faire sur ce genre de choses, c'est tout simplement voir ça comme une suite et comme une somme de suites. C'est-à-dire cette somme, 1 sur n, somme pour k égale 0 jusque n-1 des f de k sur n. Ça, c'est tout simplement, je vais l'écrire juste en trois petits points pour qu'on comprenne une petite utilité qui est un peu compliquée à faire facilement en poly, c'est que ça, c'est du f de 0 sur n, plus f de 1 sur n, plus f de 2 sur n, plus f, et on continue, et on continue, et on va jusqu'à f de plus 1, f de n-1 sur n. Ah, voilà ce que donne cette somme. J'en profite pour faire une remarque que j'ai faite dans le poly, c'est que j'ai choisi ici de considérer les sommes de Riemann classique qui commencent sur la gauche, ce qui fait qu'on va de k égale 0 à n-1. Bien sûr, on pourrait faire des sommes pour k égale 1 jusqu'à n, ça ne coûterait pas grand-chose et c'est la même chose. Et on pourrait même faire des sommes non équirépartites. Elles ne sont pas officiellement au programme, mais vous savez qu'une somme de Riemann non équirépartie, c'est juste la somme des f de xk, xk plus 1 moins xk. Et donc on aurait qu'à faire des petits calculs comme ça dès qu'on vous donne une liste de points xk. Donc ce serait complètement faisable. Alors c'est pas au programme, hein, mais donc je ne vais pas m'embêter trop pour cette semaine là-dessus. Mais on pourrait tout à fait faire ce genre de choses. Alors, pourquoi j'explique que cette somme elle peut s'écrire avec ces trois petits points-là? C'est juste pour se rendre compte que si on veut calculer cette somme comme une suite non autonome, souvent ce qu'on pose, c'est on pose un, alors je vais mettre un écart, qui serait la somme, ou un plus 1 par exemple, et on ferait la somme pour k égale 0, ben là ce serait avec du n plus 1, moins 1 des f de k sur n, et on utiliserait chal. Donc ça, on dirait que donc ça c'est la somme qui va jusqu'à n, donc on dirait que c'est la somme pour k qui va de 0 jusqu'à n moins 1 des f de k sur n, plus
le dernier terme qu'on a rajouté en n, c'est du f de n sur n. Et on simplifierait, on dirait que ceci c'est du u de n. Et là, on aurait plus. Alors ici, ce qu'on a rajouté, c'est du f de 1, mais je vais le laisser temporairement f de n sur n et vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi ici c'est un tout petit peu compliqué, un tout petit peu spécifique? Tout simplement parce qu'on voit que dans cette somme, le n ici en bas est fixe tout le temps. Alors que la quantité en haut, je vais encadrer plutôt, la quantité du haut, elle varie. Donc, dans cette somme, c'est pareil, c'est le k qui varie, mais le n du bas, lui, est fixe. Donc attention, cette somme va bien là, va bien jusqu'à n, mais c'est k qui varie, alors que le n qui est là est fixe. Donc, ce qui me paraît moins cohérent de voir et d'expliquer, c'est que cette somme, en fait, elle n'a pas qu'un indice, elle a deux indices. Et je vais séparer deux choses. Je vais voir ce qui varie en k, en bleu. La borne du haut, du coup, pour moi, certes, elle dépend de petit n, mais il y a un petit n ici qui est fixe, donc je vais l'appeler grand n, cette borne. Et je vais dire que ça, c'est par exemple du u de grand n, et là, bon, j'ai plus besoin de m'embêter avec du grand n plus 1, je vais dire que ça, c'est du u de grand n. Donc maintenant, u de grand n, c'est du u de, ici, ça change avec du grand n moins 20, les sur n restent ici. Par contre, si je change la borne du haut ici, je change aussi le terme qui est là. Et ça devient du U de grand N moins 1 N sur F de grand N sur N. Alors pourquoi ça m'a fait faire ça? C'est pour voir que le petit n est une constante, mais maintenant je sais programmer cette somme. Cette somme, quand je vais faire varier grand N, j'ai une relation de récurrence sur cette somme, je suis tout à fait capable de programmer ceci. Alors, comment on programme ça? Alors, je vais écrire le programme, je vais essayer de le faire en dessous et de faire que ça passe. Alors, je vais essayer de revenir à une couleur un peu plus naturelle. L'idée, quand même, de quoi on a besoin pour calculer cette somme? Juste une chose, il y a déjà des données utilisateurs, c'est que il faut qu'on vous donne la fonction f. Si on vous donne la fonction f, vous ne pouvez rien faire. Et il faut qu'on vous donne n, le nombre de pas de votre somme. Donc ça, c'est ce que j'appelle toujours les données utilisateur. Si je cherche par exemple non pas à faire un. Donc c'est ce qui serait un input si on fait un script ou si on fait une fonction. Donc si je fais function s pour mettre ma somme finale égale Riemann de quelque chose, puisque ce sont des données utilisateurs, c'est ce qui arrive là-dedans. Je vais faire du Riemann de f et de n. Ça peut être une fonction en entrée d'une une fonction en entrée d'une fonction. C'est pas gênant. C'est-à-dire que vous pourrez remplacer f par exp, une fonction de référence de Scilab, il comprendrait. Ou si on a tapé une autre fonction, function f, quelque part avant pour la taper, f de x et y égale f de x, il saura faire avec juste du f ici. Donc f et n sont des données utilisateurs, et nous, qu'est-ce qu'on a besoin de suivre? Ben, on a notre suite u à suivre. Alors attention, notre suite u, c'est la somme, il faudra mettre un sur n après en facteur. On a l'indice courant k à suivre, clairement. Et bah, si j'appelle s ma variable de sortie, il faut que quelque part je finisse de calculer s. Donc pour moi, j'ai ça à suivre. Et il faut que j'initialise les choses. Alors, ça dépend comment on veut initialiser cette suite. Cette suite U, on peut l'initialiser de plein de façons. Soit on l'initialise quand k vaut 0, tout simplement U0, ça fait du F0. Ou alors on peut mettre F0 dans la boucle et initialiser d'abord U à 0 avant de faire quoi que ce soit. C'est pareil, on peut faire différentes variantes. Dans le poly, j'ai choisi de commencer comme ça, donc je vais d'abord l'expliquer comme ça. Donc j'ai juste initialisé ma variable pour pouvoir le faire. Puisque je cherche à calculer U de petit n et que petit n est une donnée utilisateur, je sais le nombre de boucles que je vais faire, donc je vais faire une boucle for. Donc je vais faire for k égale. Alors, on va voir comment on pose tout, hein, comme d'habitude. Ma suite récurrente, clairement, c'est du u d'un cran qui est égal au u du cran précédent plus quelque chose. Alors, c'est ce f de n sur n. Donc, j'ai clairement du petit n en bas. Il faudrait que je mette une barre, pardon, mais il faudrait que la barre soit un peu plus inclinée pour faire de l'informatique. Les symboles apparaissant l'un avant l'autre. Et maintenant, il faut que je décide. Donc, si je commence avec u équivaut 0 ici, le premier terme que je vais rajouter dans ma somme, c'est f de 0. Donc si je fais commencer k égale 0, bah, je sais que je vais rajouter du f de. Je peux mettre du k sur n, je vais bien rajouter du f de 0, puis du f de 1, puis du f de 2. Et je dois aller jusqu'à f moins, si je fais ma somme, jusque. Mon but c'est de calculer ça en n moins 1 au maximum. Donc quand je fais du grand n
égale petit n moins 1, je dois aller avec du grand n au bout qui fait du n moins 1 sur n. Donc je vais aller jusqu'en n moins 1. Et si je fais ça, bah, je fais bien mes n termes de ma somme qui est là et je rajoute bien ce qu'il faut. Et donc ma suite marche bien, je mets fin à mon for. Je suppose que S, la somme que je voulais calculer, c'est 1 sur n fois u. Et je peux mettre fin à ma fonction. Et j'ai bien mon bon algorithme qui est tapé. Alors l'autre façon qu'on pouvait faire la même chose à peu de coups, je vais mettre couleur pour qu'on voit un petit peu, là-dedans, voilà, c'est que j'aurais pu commencer à u qui vaut f0. Si je commence à u qui vaut f0, c'est le premier terme de ma somme ici, je peux me permettre de faire un calcul de moins. Donc, je vais commencer par exemple à k égale 1 à n moins 1. Et par contre, je change absolument pas cette ligne-là, je fais une boucle de moins. C'est un peu plus efficace, mais ça vous demande d'être sûr de vos indices 1, n-1, combien de boucles je dois faire, etc. etc., etc. Mais voilà comment on peut programmer ça comme une somme. Alors ça, c'est ce que j'espère que vous savez tous faire, qu'à programmer une somme. Alors celle-ci est un peu compliquée à cause du petit sur n fixe tout le long du calcul, hein, que j'avais encadré aussi ici. Mais à part ce petit n fixe, qu'il ne faut pas oublier qu'il est fixe, et pas transformer ça en k plus 1 ou des choses comme ça, quand on a un bout en k, quand on fait un peu des calculs généraux, ça marche assez bien. Alors c'est un peu lourd pour faire ce genre de calcul, parce que maintenant avec la notion de vecteur, on peut faire des choses beaucoup beaucoup plus simples. Notamment, puisqu'on a la notion de vecteur, calculer une somme, ça peut se faire si on a une liste de valeurs, ça peut se faire avec la fonction sum. Donc calculer une somme, c'est pas dur, multiplier par 1 sur n une somme, on pourrait faire juste du 1 sur n de cette somme, et ensuite bah, il faut tout simplement savoir remplir une liste avec ce qui était à l'intérieur. Donc, la liste qu'on avait ici, c'était les f de k sur n. Est-ce qu'on peut remplir une somme comme ça? Alors ça tombe bien, toutes les fonctions de référence de Scilab déjà manipulent sans aucune difficulté les listes. C'est-à-dire que si vous faites exponentielle en Scilab de 1 à 3, ça, ça vous crée la liste exponentielle de 1, exponentielle de 2, exponentielle de 3. Donc, ça sait manipuler les listes, les fonctions de référence de Scilab. Donc imaginons que je veux approcher l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x moins 1 sur x dx. Bon, c'est une intégrale improbe, donc c'est pas le bon plan. Je vais plutôt faire intégrale de 1 à 2 de ce truc-là, mais moralement l'idée est là. Si je veux faire l'intégrale de... Alors j'ai dit que je faisais l'intégrale sur 0 à 1. Je vais mettre x plus 1 pour pas avoir de problème. Je vais pouvoir faire l'intégrale sur 0 à 1 de cette chose-là. Donc si je veux faire l'intégrale sur 0 à 1 de cette fonction-là, par exemple, rien ne m'empêche donc de dire que juste pour faire ma somme de Riemann, je vais faire S qui est égal à 1 sur n, alors il faudrait que je fasse n, par exemple, un grand nombre, hein, n égale 10 000, et je vais faire que c'est 1 sur n de la somme, et il faut que je calcule cette fonction-là, sur tous les points qu'il faut. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est faire du exponentiel, donc si je veux faire du k sur n, je peux faire des listes, donc en fait, je vais faire du 1 sur n fois la liste qui va de 0 à n moins 1. Donc là, je crée la liste qui va de 0 à n moins 1, je divise tout par 1 sur n, donc je fais bien des k sur n. Ça, ça a bien créé une liste de k sur n. À cette liste-là, il faut que je lui enlève 1. Alors, il faut que j'enlève 1 partout, donc je peux faire du point moins 1. Et maintenant que j'ai enlevé 1 partout, il faut que je divise terme à terme ça par la liste des x plus 1. Donc il faut que je divise ça, il faut que je fasse un point divisé des... Bah, j'ai été de 0 à n moins 1 fois 1 sur n, donc je vais faire du 1 point plus, et je vais refaire ma liste 1 sur n de 0 à n moins 1. Voilà. Je ferme ça, je ferme ma somme, et cette ligne-là calcule une approximation, cette intégrale ultra compliquée. Alors là, j'ai fait une version un peu compliquée où il y a plein de points. Dans le poly, vous pouvez voir, j'ai fait un exemple avec une racine qui est beaucoup plus simple, parce qu'il y a plein d'opérations sur des vecteurs. Comme ceci me renvoie une liste, si je veux enlever 1 à tous les termes de ma liste, et avoir des termes de même taille, il faut que je fasse une opération terme à terme. Donc, je vais mettre un point ici. Ensuite, comme je veux diviser pour chaque valeur de x par une valeur de x différente, il faut que je fasse une division terme à terme. C'est pour ça que je mets un point ici.
Et ensuite, puisque ici j'ai une liste et que j'ai un, il faut que je fasse une addition terme à terme et que je mette un point. Donc voilà, une version un peu compliquée en une seule ligne. Je ne tiens pas trop à ce que vous sachiez le faire en une seule ligne. Par contre, on pourrait vous demander de lire ceci. Je pense que c'est impossible qu'on vous demande de programmer ça. Par contre, vous devez savoir le lire. Donc je veux que vous sachiez, vous compreniez à peu près ce qui se passe ici. Mais moralement, c'est une façon de calculer une somme de Riemann en une seule ligne, sans passer par la notion de suite non autonome, mais en passant par la notion de vecteur en informatique. Voilà pour ça. Alors ça, c'est juste pour les intégrales de Riemann sur 0,1. C'est très facilement généralisable sur AB. Je vous laisse lire le poly pour ça. Ça coûte pas très très cher. On peut soit se ramener mathématiquement une intégrale sur 0,1 en faisant un changement de variable affine dans l'intégrale. Soit on peut reprendre le code que je viens d'expliquer sur 0,1 en transformant en code sur AB. C'est les deux méthodes principales. Je vous laisse le faire. Dernière chose que je voulais vous dire, ça c'est plus pour votre culture personnelle qu'autre chose. On vous embêtera pas trop avec ça. C'est juste que donc la méthode des rectangles, c'est ce qu'on appelle une méthode d'ordre 0. Pardon. Si vous avez n'importe quelle courbe et que vous l'approchez par des rectangles, en fait vous approchez ça par des fonctions qui sont constantes par morceau. C'est comme si vous rapprochez cette fonction d'une sorte de fonction en escalier, qui est celle-ci. Alors, en mathématiques numériques, c'est-à-dire ce qui consiste à voir les erreurs qu'on commet quand on remplace une fonction par une autre, on sait que plus on va remplacer une fonction, alors non, je ne veux pas faire de traits verticaux, c'est juste pour dire qu'on remplace cette fonction-là par une fonction qui est par morceau de degré 0, alors on sait que si on remplace cette fonction de degré 0 par une fonction de degré 1, je ne peux pas vous faire tous les calculs, parce que ce n'est pas le but et ça prendra trop de temps, mais si je remplace ça par, non pas des rectangles, mais par des trapèzes, ou des segments de droite, hein, partout. Là, je les ai reliés par la gauche, donc j'ai fait un peu, je les ai reliés à la gauche ici, ça aurait dû faire ça, 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 enfin bref, je relis n'importe comment au bout, mais si on relie ça par des trapèzes, on augmente la qualité de la méthode. La question, c'est par contre, quelle est l'équation de la droite qui est là sur chacun des petits bouts de segments? Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout, et ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait en convexité la semaine dernière, parce que si vous prenez n'importe quel point, xk, que vous prenez le point d'après xk plus 1, et que vous avez une fonction qui passe par le point, donc ici c'est du f de xk plus 1, et ici c'est du f de xk. Donc en fait, cette fameuse droite qui part, dans ce qu'on parlait la semaine dernière, c'est une corde. Et donc cette corde, c'est assez marrant, pour calculer, en fait, comment on veut pas calculer l'équation de la corde, ce qu'on veut juste, c'est calculer la surface qui est là. Et la surface qui est là, on peut la découper en deux morceaux. C'est qu'en fait, la surface qui est là, c'est la surface qui est ici en bas, plus la deuxième surface qui est là. Oups, je fais un truc faux pas. Et que cette surface qui est là, c'est assez marrant, puisqu'on a un rectangle ici, enfin on a un triangle qui est un demi-rectangle, donc je peux le recopier là, mon triangle, mais j'ai la même surface ici. Forcément, cette surface-là qu'on rajoute, la surface verte, c'est la moitié entre la surface rouge du bas, et la nouvelle surface, par exemple, que je peux tracer en violet là-haut, qui serait la surface du rectangle pris de l'autre côté. Qui serait la surface qui est là en violette. Donc la surface bleue, c'est la moitié de la surface violette plus la surface rouge. Et donc ça nous permet de trouver cette petite règle en plus. Et la règle en plus, c'est tout simplement, comme c'est la moitié, c'est assez logique. Ça revient aussi, d'une autre façon de l'expliquer, à tracer en vert, donc je vais essayer de reprendre un peu du vert, ça reviendrait à tracer en fait un rectangle à la moitié, faire deux triangles. Et donc la moitié de ce rectangle, on sait très bien où il est ce rectangle-là à la moitié. Sa hauteur, puisqu'ici on est à la moitié de la hauteur, c'est tout simplement du f de fx plus f de x plus 1 sur 2. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait quand on faisait des cordes et des notions de fonctions convexes. Et donc ce qu'on pourrait faire pour calculer ça mathématiquement, alors il faudrait le faire informatiquement, je le fais pas, mais sur 0,1 par exemple, ça revient juste à transformer ça en du f de k sur n plus donc 1 demi, hein, je prends la moitié, f de k sur n plus f de k plus 1 sur n. C'est tout. Et ça améliore la qualité de votre approximation.
On avait fait la preuve de la convergence des sommes de Riemann, qui s'appelle Sn de la somme de Riemann moins l'intégrale, donc de f. On avait vu dans le cours que c'était du mb-a au carré sur n plus 1, je pense. On pouvait majorer l'erreur comme ça, m étant un majorant de la dérivée, donc ça dépendait de la vitesse de variation de la fonction, b-a était la longueur d'intervalle et n plus 1 étant le nombre de points. Bah, cette méthode a un pas, ce qu'elle permet de gagner, c'est que ça fait transformer n plus 1 en n plus 1 au carré. C'est-à-dire que ça fait gagner un ordre de grandeur, plus on ajoute de points, plus on gagne de points. Et pourtant, elle ne coûte pas beaucoup plus cher que la méthode classique. Donc ça, c'est pas du tout au programme, c'était juste pour votre culture. Je voulais juste vous expliquer que à vraiment un coût très très faible, on peut d'un seul coup améliorer considérablement la méthode des rectangles. Donc la méthode des rectangles, elle est en général programmée dans tous les logiciels de calcul numérique, Scilab, vous pouvez trouver en Python, en MATLAB, en plein d'autres langages, mais elle est quasiment pas utilisée en vrai. Elle est programmée juste plus par but académique qu'autre chose, parce que si on sait faire une méthode des rectangles, on sait faire une méthode des trapèzes à vraiment à coût nul, vraiment à coût nul de calcul, et donc c'est plus précis pour gratuitement. Voilà pour ce cours d'informatique. Donc mon but, c'était juste de vous rappeler, vous savez faire ça en maths, on doit savoir, vous l'aviez vu l'année dernière, vous devez savoir le programmer maintenant. En informatique. On voit la semaine prochaine la méthode tout simplement de dichotomie. On a à voir avec ça. Et une fois qu'on a ça, bah, on fera pas mal de séances. Je vous ai dit qu'on a quasiment fini. Donc si on doit continuer sur des séances comme ça, dès les séances suivantes, je vais vous sortir plein de bouts de sujets de concours, de choses sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et ce sera beaucoup des séances de programmes à compléter. On a vu quand on fait des séances nous-mêmes, je vous laisse programmer comme vous voulez, je vous dis parfois que vous avez des idées tordues, mais que ça marche, etc. Bah là, c'est plutôt se formater, essayer de compléter. Alors, en général, c'est un peu plus simple, mais c'est aussi un peu, ça peut être plus compliqué quand vous dites, ouais, j'ai pas compris la logique de la personne. Quand vous avez votre propre logique, programmer un programme, ça marche facilement. Quand vous devez compléter celui de quelqu'un, ça peut être un peu plus dur. Donc, comme on a avancé sur tous les contenus, maintenant, on va faire un peu de technique sur comment compléter comme il faut un programme. Voilà. Dites-moi si cette vidéo d'informatique était trop rapide, trop longue, trop courte, enfin bref. Voilà.